Recoucou, me revoici encore, décidément. Donc, je voulais vous montrer ce magnifique temps. Alors, j'ai le soleil en face des yeux. Voilà, ici, nous avons un bon ciel bleu. Là, je sais pas, je vois rien du tout. J'ai le soleil. On voit de. Alors, les grands avions, ça n'arrête pas. Hein. Ça y est, ça a repris. Donc, on voit des grandes traînées blanches. Hein, ça a repris de plus belle. Donc, je vais rebondir sur ce que je vous ai dit. En ce qui concerne donc le Parlement européen, comme dit Noah, ceux qui ne me connaissent pas, ils vont pas comprendre ce que je dis. Bref, j'ai vu le commentaire de Josiane aussi. Donc Josiane, je te répondrai ultérieurement. Puis je vais retenir ta date de naissance. Surprise, surprise. Donc deuxième balade avec Mookie. Donc il fait frais, on se couvre bien et puis. Voilà, c'est ce temps-là, là, un beau soleil, il fait plus frais, voilà, le vent est plus frais, c'est tout à fait normal. Alors, oui, là je voulais vous rebondir sur quelque chose. Avant, je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si je vous ai partagé en communauté, je ne sais plus. En Italie, vous avez des personnes qui sont à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Voilà, ça bouge, etc. Et d'un autre côté, vous avez ces personnes qui sont assises sur une place, assises. Il y en a qui sont assis. Vous savez la position du Bouddha, voilà, et qui émet des sons. Voilà, qui chantent, mais ils émettent des sons pour les vibrations. Donc j'ai trouvé ça magnifique aussi. D'un côté, on nous dit. Oui, de l'autre côté, on nous dit non. Logiquement, on devrait encore avoir une autre réponse le 28 octobre, si je ne me trompe pas, 2021. Donc, comme je vous avais dit, leur programme est très très long. Mais je ne vois pas que ça va aboutir jusqu'au bout. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, vous savez, voilà. Au niveau du temps, etc., des années, etc., je peux me tromper. J'ai Noah aussi qui m'a dit aussi qu'elle voyait Paris qui allait bouger, etc. Donc ça, je l'ai dit depuis un certain temps aussi. Mais quand je vous ai partagé, j'ai voulu vous partager cette vidéo en ce qui concerne, vous savez, cette révolution-là après. Pendant le règne de Louis XVI, qui a été hein, quick-quick, oui, il y a du monde dans les rues, mais comme je vous avais dit, c'est différent. Hein. On n'est plus autant des, comme je vous avais dit, des fusils, des machins, etc. Hein, non, 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 non. Il y aura encore davantage de monde, pas, peut-être pas comme on le pense, mais c'est sûr que. Suivant certaines annonces, ça va pas non plus plaire comme je vous l'ai dit. Alors j'ai une amie qui m'a dit que éventuellement, vis-à-vis ce que comment dire, l'Assemblée européenne, voilà, qui était contre l'injecte obligatoire. Ainsi que le multipass, d'après ses dires, serait que pour eux. Et même au pire des cas, si c'est pour eux, vu qu'il y a une enquête, moi je trouve que c'est positif, hein, faut pas voir que le négatif. Donc voilà, nous qui se promènent. Donc, je vous avais dit aussi que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain non plus. Hein, si il y a des personnes qui ont bien retenu ce que j'ai dit, cela ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, maintenant, je pense qu'avec tous ces dires, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, j'espère que les personnes ont pris conscience de ce qui se passe depuis quelque temps. Comme je disais tout le temps, que je ne disais plus, ce n'est pas normal, tout simplement.
Alors, je ne sais pas si vous allez voir le soleil parce que je suis à contre-jour. Voilà. Au loin, nous avons des vignes. Tiens, rien du tout. Voilà, les vignes sont juste à côté. Je vais vous les montrer. Donc, les feuilles sont jaunes aussi. Hein. Elles changent de couleur aussi également. Donc, je vous ai dit que, il y aura encore des épreuves. Des dualités, des affrontements, etc. déjà entre eux. Alors je vais vous montrer les traînées aussi blanches d'un avion. Ça n'arrête pas. Donc je ne sais pas si vous voyez les vignes au loin. Et l'avion là, là c'est un avion, c'est des traînées d'avion. Alors je ne sais plus, je suis désolée, hein, je n'ai pas été voir. Sur mon mail pour voir des preuves d'autres chantrails, parce qu'il en existe de multiples. Donc faut que j'y aille, hein, donc je m'excuse auprès de la personne. Je m'en excuse d'avance. Voilà, vous voyez, on voit très bien les avions, ça reprend de plus belle. Hein, voilà, jusqu'au jour où il y a plein de choses qui vont changer dans le futur. Au niveau des déplacements. Voilà, on voit Nuki, on voit encore des vignes là. Voilà, donc je suis entourée de vignes, d'arbres. Donc voilà. Donc je vous ai bien dit que tout n'allait pas s'arrêter du jour au lendemain. D'accord? Donc ça, faut bien le comprendre. Viens, viens, remonte. Faut bien le comprendre. Comme je vous dis, il faut garder. Vous voyez, il y a encore des petites fleurs comme ceci. Il y a encore des pâquerettes. J'en ai vu d'autres aussi. Voilà, en plein mois d'octobre. Des petites fleurs, c'est des fleurs de pissenlit, hein, il me semble. J'ai vu des pâquerettes encore. Alors vous avez ceci aussi, hein, quand on souffle dessus, quand on était petit, on s'amusait à faire ça. Alors attendez que je trouve bien le truc là. Voilà. Quand on soufflait dessus, pouf, voilà, on s'amuse à faire ça. Voilà, on n'avait pas du tout les mêmes amusements que les jeunes de maintenant, qui sont toujours sur leur ordinateur, faire des jeux que je trouve que parfois, je suis désolée, c'est pas, c'est toujours des combats, des choses comme ça, voilà. Bon. C'est vrai que quand les enfants d'avant, les garçons surtout, se déguisaient et jouaient aux soldats. Voilà. Là, c'est des soldats, mais différents que ceux d'avant. Donc, tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, d'accord? Il va falloir un laps de temps aussi. Mais en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne les enfants, comme je vous avais dit, hein, je vous ai montré une carte qui est souvent sortie. Ça parlait de tout ce qui était lié aux soins médicaux, etc., au niveau du personnel. Mais ça me parlait aussi donc des enseignants. D'accord? Il y a des enseignants, des directeurs, des ceci, des cela qui ne vont pas être d'accord non plus. Donc voilà, puis ça ne s'appelait pas non plus à certaines personnes. Après, comme je vous l'ai dit, je ne porte pas du jugement, mais bon, il y a des parents qui l'ont fait pour leurs enfants, voilà. C'était leur choix. Au niveau de ce multipass, sincèrement, je vous l'ai dit, je peux me passer de restaurant, je peux me passer de voyager. Donc, voir ma famille en TGV, ben je ne peux pas, voilà, parce que j'ai pas envie de tout ceci. Et puis donc il y a un petit blocage pour l'instant. Et pour les personnes qui ont fait ça pour aller au cinéma, pour voyager, pour aller au resto, bon ben voilà, personnellement je peux me passer tout ça, ça me dérange pas du tout. Voilà, par contre je pense aux personnes à qui on demande l'injecte obligatoire pour le travail, ça c'est complètement différent. Malheureusement, malheureusement, malheureusement.
Donc c'est pour vous dire que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein, je vous avais dit qu'il y avait des épreuves, etc., etc., qui seront encore, qui vont encore arriver. Hein. Donc entre eux, ils se titillent entre eux. Hein. L'un est pour, l'autre est contre. Voilà, ça va être des choses comme ça pendant un certain temps. Ça va être des conflits, ça va être. Voilà, ça va être comme ça, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser. Et je vous souhaite donc un agréable dimanche, encore une fois de plus. Et puis je profite de ce beau temps pour faire encore une promenade avec Nuki. Voilà. Avec le bruissement des feuilles, avec les chants d'oiseaux. Voilà, on en entend encore un. Et puis Nuki est content. Voilà. Il est content, alors je suis contente. Alors là, il est en train de renifler. Bah oui, il renifle hein, avec sa truffe. Comme je vous avais dit, il y a des petites bébêtes qui sont en dessous, des vers de terre, des choses comme ça. Et comme je vous avais dit, c'est un petit chasseur. Alors je voulais revenir pour vous lire quelques passages justement du York Terrier. Et en fin de compte, en ce qui concerne ce que je vous ai dit, que c'était des petits chasseurs, il n'y a pas grand-chose, ils disent pas grand-chose, j'ai regardé rapidement. Alors peut-être que je n'ai pas non plus prêté attention et être plus attentive à ce qu'il y avait décrit. Mais bon, voilà. Donc je vais encore agrandir pour vous montrer des vignes au loin encore. C'est toujours le même paysage, mais bon. Voilà, alors il y a des vignes pas très loin, puis d'autres qui sont plus loin. Voilà, en voiture, c'est rapide. De toute façon, ici, c'est des villages et c'est toujours entouré de vignes et de beaucoup de forêts, beaucoup de végétal. Et heureusement encore qu'il en reste. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser et puis, comme je vous avais dit, je reviendrai ultérieurement dans la semaine. Lundi, je ne pense pas. Voilà, on retrouve encore ces petites fleurs là. Voilà. Des pâquerettes ici, il n'y en a pas trop, mais j'en ai vu ailleurs. Voilà, il y a encore des petites fleurs sauvages comme ça, par-ci, par-là. Voilà. C'est vrai que ça fait du bien de prendre un peu le soleil, de respirer quand même le bon air, si on veut, parce que bon, il y a des routes qui sont quand même pas très loin, où il y a beaucoup de passages, mais j'avoue que près de chez moi où je demeure, on va dire que c'est quand même tranquille. Hein. Il y a du passage, mais pas autant que dans le centre de cette ville où je réside. Je trouve ça magnifique, toutes ces feuilles qui changent de couleur. Là, on voit du jaune. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser et je vous souhaite donc un agréable dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.